d'un quartier populaire. Sous les pavés, c'est la plage du coin de la rue, on voit la mer. Il y en a qui viennent de tous les coins du monde. Ouais. Fils et fils d'ouvriers venus chercher l'Eldorado. Pas d'avenue pavée d'or, mais le bitume a eu raison de leurs rêves. Et l'amertume leur a rongé un peu la peau. Comment expliquer qu'ici, on ne sourit pas, en tout cas pas à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ce constat peut paraître un peu pessimiste, mais le doit d'aucune façon faire de l'ombre au soleil quand il éclaire nos émotions. Dans la cour de l'immeuble, le dimanche après-midi, on se retrouvait pour papoter, jouer aux cartes entre amis. Du raki, des loukoum, des tapas, des jus de fruits, des gosses partout, de la musique et du bruit. Le temps pouvait s'arrêter. Ça ne nous gênait pas le moins du monde. On dévorait insatiablement chaque minute, chaque seconde. Pas une seule miette ne devait rester au fond des plats. On parlait scolarité en mangeant avec les doigts. Laï, 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 laï. De la musique et du bruit. De la musique et du bruit. Illégaux, clandestins, comment dire, sans papier. À 12 ans, ces mots m'étaient totalement étrangers. On a grandi ensemble. Et le sang qui coule dans leurs veines ressemble comme deux gouttes d'eau à celui qui coule dans les miennes. C'est quoi ces cris? C'est quoi ces pleurs? Où vont-ils? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi rester si eux s'en vont? Plus de jus de fruits, plus de parties de foot dans la rue jusqu'à la tombée de la nuit. Plus d'odeur foufou. Mais maintenant y'a des caméras. Dans la cour, plus rien ne pousse. C'est le terrain de jeu des rats. Le dimanche après-midi, plus d'amis, plus rien ne se passe. Le barbecue a moisi, juste une trace d'un temps où le quartier était en vie. Et derrière les murs, résonne encore.